Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 2 ans. Je reviens vers vous avec cette vidéo pour faire une annonce. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà, voilà, ça fait une semaine, oui c'est ça je crois, que j'ai ouvert ma boutique Etsy. Donc je suis trop contente, c'est ce que je voulais depuis un moment. Et ça y est, c'est enfin ouvert. Je vous l'annonce officiellement sur YouTube. J'ai déjà eu des commandes, donc merci à vous pour vos commandes. J'ai hâte que vous receviez tout ça. Et je voulais du coup vous présenter un petit peu ce que j'ai à vous proposer en boutique. On va commencer tout de suite par quelque chose qui est tout de suite parti, qui est sold out, hein, qui est en rupture de stock. C'est ces deux formats-là. Alors, on avait les enveloppes, vous savez, stickers en relief pailleté. Et avec les enveloppes zip, puisque en fait je n'avais plus d'enveloppe zip, et en format, donc du coup vous avez la couleur rose gold et la couleur bronze avec les trackers qui vont avec. Vous aviez hop, le tracker rose ou le tracker en bronze doré et rose. Et du coup, alors avec ces écritures là, celui-ci c'est l'ancien format, je viens de voir, parce qu'il faut que je le refasse pour moi. Donc du coup, j'avais ceci qui est parti et donc j'ai deux clientes qui m'ont commandé du coup ces enveloppes-là. Je leur ai envoyé la commande, j'attends de recevoir du coup mes autres enveloppes zip. Par contre, je vais avoir un souci, c'est que je n'aurai pas le fournisseur chez qui j'ai ces stickers n'en propose pas actuellement. Donc du coup, il va falloir que je trouve une autre solution. Puisque là, en fait, les deux personnes qui m'ont commandé ces enveloppes-là, je vais finir après, quand j'aurai les enveloppes zip, leur commande pour elles. Donc en fait, ça sera des éditions très limitées. Voilà, elles ne le savent pas encore. Mais ça sera des éditions limitées. Ça sera, voilà, juste pour elles pour le moment. Après, si j'arrive à en avoir d'autres par la suite, je le referai. Mais du coup, vous allez voir, c'est pareil pour celles et ceux qui me suivent sur Insta. Vous avez peut-être vu, j'ai pas fait l'annonce officielle, mais j'ai fait l'acquisition de la Cricut. Avec l'argent en fait que mon mari et moi on a touché en plus pardon, de ce qu'on avait prévu lors du bilan. Donc du coup, ça va, l'argent pour l'instant que je touche grâce à vos commandes me sert pour l'instant à rembourser mon investissement. Donc du coup, je vais, voilà, créer mes propres stickers, voilà, que je vais mettre, bien sûr, avec toujours un peu dans le même style. Alors ça sera pas pailleté, mais je vais essayer de faire quelque chose de très calligraphié, de très girly. Enfin voilà, vous verrez tout ça. J'ai pas encore pris la machine en main, hein, je vous l'avoue, j'ai pas eu le temps. Donc je verrai comment je fais et vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me suivre sur Insta du coup pour voir, parce que c'est là à mon avis où je posterai du coup le visuel de mes fameux stickers. Donc là du coup ça, désolé, hein, tout est parti. Merci aux filles qui l'ont commandé. Sachez que voilà, elles vous sont réservées mes prochaines enveloppes avec ces stickers là. Alors ensuite, je propose aussi les enveloppes plastifiées. Alors donc il y a les deux couleurs aussi. D'ailleurs, je vais vous les montrer comme ça, ce sera plus simple. Voilà, je vais vous les montrer comme ceci. On a deux couleurs. On a la couleur, donc du coup toujours dorée, et la couleur que j'ai appelée arc-en-ciel. Parce que je vais vous montrer en fait pourquoi. Hop. Parce qu'en fait, le nom des catégories, j'ai fait des couleurs, voilà, vraiment là plutôt pastel, là un peu plus foncé, mais voilà. Après, ça sera à personnaliser, bien sûr, si vous voulez qu'une seule couleur pour toutes vos enveloppes, il n'y a pas de souci, ça sera à personnaliser. Mais moi, j'ai fait quelque chose comme ça, de arc-en-ciel, j'ai appelé. Hop, je remets en place, pardon. Donc ça, c'est pour le format, du coup, que j'ai appelé arc-en-ciel, avec dedans les trackers. On a les trackers roses qui sont bien sûr compris, hein, dans l'enveloppe, et les trackers dorés. Alors là, bien sûr, ils vous arrivent vierges, hein, là c'est juste parce que c'est la mienne, parce que j'en ai pas d'avance de ça, je vous le prépare à la commande. Donc voilà pour ce format-là, pour les enveloppes. Hop. Je l'ai fait en plusieurs lots d'ailleurs. Je fais en lot de à l'unité, à x5 et x10. Donc j'ai plus les prix en tête, je vous avoue. Donc je vous les mettrai
Donc ça, c'est pour les enveloppes plastiques. Hop, les trackers simples, en fait, voilà, tout simplement basiques que vous achetez, que vous glissez dans vos enveloppes zip, par exemple, qui sont plastifiées, bien entendu. Donc rose et doré, avec en fait, voilà, mon logo derrière. Voilà, j'ai créé mon propre logo avec mon logo derrière. Donc là, c'est pareil, j'ai fait en lot de à l'unité, x 5 et 10. Vous avez ces deux possibilités-là. Et ensuite, j'ai fait aussi, voilà, le budget mensuel. Pareil, en fait, voilà, à chaque fois, il y aura ça. Il y aura ces deux couleurs-là, il y aura le rose et le doré. Donc, c'est les feuilles que j'utilise. Voilà, j'ai tout refait. Je vous en propose gratuitement. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer à mon adresse mail ecomompro@gmail.com. Il y a mon ancien format que je vous propose toujours gratuitement et celui-là du coup que j'ai refait tout entièrement et que du coup je vous propose à vous envoyer plastifié avec un pareil derrière. Vous avez mon logo. Alors ça c'est pareil, c'est l'ancien modèle. C'est vraiment ce logo-là qu'il y aura avec le cercle doré. Et je pense aussi vous proposer, dites-moi ce que vous en pensez, que je vous montre, parce que là en fait c'est plastifié, donc c'est réutilisable. Mais moi personnellement, je mets par exemple mes feuilles de budget mensuel. Alors là vous voyez, ça c'est mon ancien modèle que je vous propose gratuitement. C'est des feuilles en fait, voilà, simples, à 80 grammes, celles qu'on trouve partout. Et en fait je préfère, puisque du coup ça me permet moi d'avoir un suivi de tous les mois de mes dépenses, vraiment d'avoir une vue vraiment de tout ce que j'ai dépensé, vraiment précise, voilà, chercher le mot. Donc plastifié, c'est bien, mais du coup tous les mois faut nettoyer pour pouvoir le réutiliser. Donc j'avais envie aussi de vous le proposer. Peut-être en téléchargement, voilà, en format PDF. Vous proposez à la vente ce format-là et celui-ci en format PDF que vous puissiez imprimer chez vous pour que vous puissiez toujours l'avoir et pouvoir réécrire dessus. En fait, je me tâte à faire ça parce que moi, c'est comme ça que je vais faire, hein, clairement. Ce format-là, je vais l'utiliser tous les mois pour en fait en tant que brouillon, voilà, pour pas éviter de faire des ratures sur la feuille que du coup j'imprimerai en basique, parce que là c'est un papier assez épais, puisque comme j'ai utilisé aussi il y a le devant et le derrière, j'ai utilisé un format une feuille de papier de plus épaisse, de 160 grammes, oui c'est ça, 160 grammes plus la feuille plastique. Donc du coup ouais, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais faire ça. Donc j'ai ces deux formats-là et ensuite, alors c'est pas encore. Voilà, donc j'ai ces deux formats-là et ensuite j'ai les fameuses cartes de visite. J'ai les fameux trackers en format carte de visite qui sont disponibles aussi. Enfin non, ils sont pas encore sur mon site, il faut que je les mette. J'ai pas encore eu le temps, j'espère pouvoir le faire aujourd'hui. Là pour l'instant je le propose que en doré, mais j'aimerais bien aussi vous le proposer en rose. Comme ça, voilà, il y a vraiment les deux couleurs dispo dans toutes les. Dans toutes les formes de trackers et d'enveloppes. Donc hop, voilà. Donc pareil, ça sera disponible en lot de 5, de 10 et à l'unité. Bon, par contre, les feuilles plastiques, c'est juste à l'unité, parce que je pense que bon, c'est pas vraiment utile de faire des lots. Donc voilà pour ce que je vous propose dans ma boutique. Je vous mettrai tous les prix juste quelque part ici. Et du coup, suivez-moi sur Instagram pour voir les nouveaux stickers que je vais créer, que je vais à mon avis aussi personnaliser, parce que dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense faire aussi des kits de démarrage en fait avec des agendas comme moi en fait, agenda A5, A6 et porte-carte, mais tout bien sûr personnalisé par mes soins avec les stickers sur le devant des agendas. Enfin voilà, c'est un projet, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Si je peux vous insérer aussi des visuels, de choses qui me plaisent et que j'aimerais, alors pas faire à l'identique, pas faire le copier-coller, mais que j'aimerais, qui m'inspire en fait, voilà. C'est beaucoup les Américaines qui font ça.
Mais il n'y en a pas beaucoup. Je crois que j'ai vu qu'une seule personne en France le faire, ce raid-ci. Mais voilà, très limité en choix. Donc j'aimerais le proposer. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'aimerais faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait. J'ai pas encore du coup tout le prix en tête. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous proposer sur mon site. Je suis trop contente. Merci à vous les filles pour vos commandes. Merci à Patricia, Johanna, Marion, Angelina et Nathalie. Voilà, merci à vous les filles. Voilà, j'ai hâte que vous receviez vos petites lettres et que vous me disiez ce que vous en pensez. Ça me fait très plaisir. Même vous, en commentaire, dites-moi là, après avoir vu les visuels, ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas, si vous avez l'intention peut-être d'acheter ou pas du tout. Dites-moi, hein, il n'y a pas de souci. Pour le moment, c'est tout. La vidéo de bilan de la semaine, je la ferai demain parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop le temps et en plus, j'ai le petit qui est là. Donc, c'est un peu compliqué de tourner lorsque le petit est là parce qu'il est tout le temps à côté de moi. C'est mon petit pot de colle. Donc, du coup, il sera chez la nounou demain. Donc là, j'aurai le temps de vous faire la vidéo du bilan de la semaine lundi et je vous la posterai du coup lundi le plus tôt possible. Et en fait, je vais remplir avec vous mes trackers et tout ça parce que j'ai rien fait de la semaine, vous allez voir. Du coup, je ferai tout ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao!